Nous sommes en direct sur LCN, c'est la quotidienne, et on retrouve maintenant, je l'annonçais tout à l'heure, le point actu du jour avec Félix Bollez. C'est l'heure du dernier voyage en Haute-Normandie pour les anciennes rames de tramway de la Créa. Elles sont en train d'être chargées sur des camions. Direction la ville de Gaziantep en Turquie. La Créa est la première agglomération en France à faire le choix de revendre son ancien parc. Une revente qui incluait la formation des conducteurs, techniciens et agents de maintenance turcs. Les rames seront chargées sur deux bateaux la semaine prochaine à Grand Couronne. On écoute Alexandre Burban, directeur technique des transports de la Créa, au micro de Pierre Mel de l'Aubert. 28 rames de tramway ont été vendues. Ce sont des rames de 30 mètres qui pèsent 40 tonnes. Et donc là, il faut environ une heure de chargement sur le camion. Sur le bateau, ça prend environ 3 jours. Et le transfert vers la Turquie prendra 10 jours environ pour rejoindre les côtes turques. Donc ils ont acheté ces rames pour 5,2 millions d'euros. Donc ils doivent encore les transformer, apporter la climatisation, puisqu'en Turquie c'est utile. Et ensuite les mettre en service sur leur réseau. À Rouen, le foyer des marins accueille chaque année 4000 à 5000 personnes, mais il est confronté à un manque de bénévoles. Reportage de Maëlys Château. Les marins en escale dans le port de Rouen sont accueillis comme des rois. Transportés gracieusement en minibus, ils sont reçus dans ce foyer par une poignée de bénévoles. Pour ces hommes de la mer, ce lieu est l'unique moyen de se distraire hors du navire. La plupart des gens pensent que les marins voient beaucoup de choses quand ils sont à quai, mais ce n'est pas le cas. Le plus souvent, vous n'avez que des terminaux industriels, très reculés ou en dehors de la ville. Ici, c'est un endroit où l'on peut se rendre très facilement, où l'on peut rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, se rassembler, et cela est très important. 6 jours sur 7, de 18h à 22h, le foyer accueille en moyenne une vingtaine de marins. Ici, ils peuvent se désaltérer, appeler leur famille, utiliser Internet ou échanger des devises. Le lieu est géré par l'ARAM, l'association rouennaise des Amis des Marins. Tous les jours, il y a des visites à bord qui sont effectuées pour rencontrer les marins, caler les rendez-vous du soir. Et tous les soirs, du mardi au dimanche, nous sommes ouverts. Pour l'accueil des marins effectifs, nous allons les chercher à bord et ils passent un temps avec nous. Pour survivre, le foyer compte sur la contribution volontaire des armateurs de 20 à 35 euros par navire en escale. Seulement tous n'acceptent pas de payer et faute de redevances obligatoires, l'association se retrouve en déficit chronique. De plus, le nombre de bénévoles accueillant les marins a fortement diminué et pour cause. C'est l'équipe initiale qui a impulsé l'ouverture du foyer il y a 22 ou 23 ans maintenant. C'était des jeunes retraités qui aujourd'hui sont aussi vieillissants, hein, comme tout le monde, et pour qui venir le soir est un petit peu plus compliqué. Une dizaine de bénévoles effectifs, 6 salariés et 2 services civiques. C'est l'équipe en place actuellement. Les bénévoles déterminent en fonction de leur disponibilité le soir de leur permanence. Si leur fonction relève d'un service, ils vivent avant tout une expérience humaine riche en échanges. Venir un soir par semaine ou une fois tous les 15 jours pour être au foyer le soir, soit à l'accueil, soit au bar, soit à la boutique, ça permet de rencontrer des étrangers, de discuter avec eux. Il faut bien sûr pouvoir parler anglais et vous rentrer chez vous après en ayant le sentiment d'avoir été utile à quelque chose. À terme, l'association souhaiterait ouvrir ce lieu de vie 7 jours sur 7. Toute personne désireuse de devenir bénévole peut contacter le foyer des marins au 02 35 70 02 94. 2 ans après avoir remporté la Continental Cup, le RHE repart dès ce vendredi soir à l'assaut d'un nouveau titre européen. Les Dragons de Rouen auront l'avantage de jouer à domicile, mais attention, la tâche s'annonce difficile face aux 3 autres équipes en lice. Si les Norvégiens et les Italiens semblent être à la portée des hommes de Rodolphe Garnier, les Ukrainiens de Donetsk font figure de grandissimes favoris. On écoute le manager général Guy Fournier au micro de Pierre Passavant et d'Emmanuel Germont.
Guy Fournier, bonsoir. À l'aube de cette troisième finale européenne, Coupe Continentale à Rouen, je pense qu'on n'a jamais vu des effectifs aussi importants ici à Rouen. C'est vrai que ça va être... on pense tout de suite à Donetsk, qui est une équipe qui évolue en KHL, donc c'est une grosse cylindrée. Mais je suis ravi aussi de recevoir les Norvégiens, parce que je trouve que le hockey nordique est un hockey très agréable à regarder. Ils sont toujours très mobiles et ils sont fins, c'est des fins tacticiens. Donc les Norvégiens, je pense que ça va être une très belle équipe. Et puis, il y a les Italiens qui se sont rendus là, donc ils ne sont pas rendus là par hasard. Donc, à mon avis, il y a un bel effectif aussi. Donc, c'est une belle fête du hockey européen. Sportivement, un petit pronostic pour ces trois jours? Vous savez, c'est très, très dur puisqu'on sait qu'on est capable de faire un coup, mais on peut aussi finir dernier. Donc, ça va se jouer à très peu de choses. Il va falloir être concentré, il va falloir être opportuniste, il va falloir être discipliné. Mais ça, j'ai confiance à mon groupe. J'ai des gars là-dedans qui savent gérer des moments importants. Et puis, après, ça se joue sur très peu de choses, ça se joue sur des petits détails. Donc, je serais très embêté de faire un pronostic. Je sais qu'on a une carte à jouer, mais ça peut aussi tourner de l'autre côté. Donc, on verra dimanche soir. Vous me reposerez la question dimanche soir. À la une ce vendredi de votre hebdomadaire Le Courrier Cauchois, le recensement de la population dans le Pays de Caux et les travaux routiers sur l'axe Yvetot-Rouen. On écoute tout de suite le rédacteur en chef du Courrier Cauchois. Bonjour, c'est Christophe Dupuis, le rédacteur en chef du Courrier Cauchois. Et donc, je vous présente la une de cette semaine. Alors, c'est une une dont le titre principal concerne le recensement, puisque nous avons traité ce sujet cette semaine, et on a constaté justement une variation importante entre les recensements de 2006 et de 2011, des recensements qui ont leur importance, notamment pour les communes qui passent au-dessus de 1000 habitants ou au-dessous de 1000 habitants, lors des prochaines élections municipales, puisque ce sont les chiffres qui seront pris en compte. Le deuxième sujet concerne les automobilistes. Et au moment des vœux, ils doivent s'attendre, eux, à passer une année sans doute un peu laborieuse, notamment entre Yvetot et Rouen, où des travaux importants sont prévus sur la Nationale 6015, notamment avec le raccordement de la future autoroute Écalalix-Barentin, raccordement à l'autoroute A150. Et puis, toujours un peu dans l'automobile, nous avons un coup de colère cette semaine, c'est celui d'un chef d'entreprise qui s'est équipé de véhicules hybrides et qui proteste parce que, selon lui, l'hybride est bridé. En effet, les taxes sur l'essence sont plus importantes que celles sur le gasoil et, pour lui, l'essence et donc la formule hybride est moins polluante que le gasoil et elle n'est pas encouragée comme elle devrait l'être. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur le site internet d'LCN. Merci beaucoup Félix Bolaise. Et maintenant, vous voulez avoir des informations sur l'avis qui est régi par les actes juridiques? Eh bien, ce sera tout à l'heure avec Maître Ringard, notaire. Vous voulez vous préparer sportivement pour le week-end? Eh bien, restez là. Tout à l'heure, Régis Legrand sera avec notre coach Jérôme Coge. Et puis, découvrir une nouvelle initiative qui met en valeur les créatifs de la région à travers un nouveau réseau. C'est assez original. Eh bien, on va vous présenter ça tout à l'heure. Pour l'instant, c'est la météo de Fanny Bertin. La météo avec Avantage Famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge. La Haute-Normandie, je suis extrêmement contente de vous retrouver en ce vendredi pour vous annoncer d'hyper bonnes nouvelles. La météo de demain sera exceptionnelle, du soleil, des cigales, de la bonne humeur dès le lever du jour. Parez-vous, grosse chaleur en vue, pas moins de 20 degrés au petit matin et jusqu'à 28 degrés dans le sud de l'heure, ça fait plaisir. L'après-midi, c'est toujours soleil, 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 elle est pas belle la vie. Ah, ça fait du bien tout ça, ça remonte le moral. Stop. Tu fais quoi là, Fanny? La météo peut-être, non? Michael, tu peux nous remettre les cartes, s'il te plaît? T'as l'impression de voir du soleil, là? Non, pas tellement. Et puis 30 degrés aussi, voilà l'été, c'est ça?
Non mais je te jure, Juju, j'en peux plus quoi. Enfin, ouais, bah c'est l'hiver, ouais, bah il fait froid, il y a des nuages, de la pluie. Et les gens, ils croient que c'est de ma faute. Non mais je te jure, c'est... J'en peux plus. Je vais reprendre la responsabilité. Alors... Hello la Haute-Normandie. Bon, c'est pas la fête à Guy, mais je pense quand même à lui, hein. La météo avec Avantage Famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge.